Coucou tout le monde! Aujourd'hui, encore un petit happy mail à déballer. Aujourd'hui, j'ai reçu une enveloppe, une grosse enveloppe d'Élise qui m'a envoyé un paquet de surprises. Merci, merci Élise. J'ai hâte de regarder ce que tu m'as mis dedans. C'est encore une énorme enveloppe. Je me suis dit que je vais l'ouvrir avec vous, surtout qu'elle l'a super bien emballée. Avant que je le déballe toute seule, je me suis dit qu'on va la faire ensemble. J'ai simplement ouvert le paquet. Comme vous voyez, elle a tout emballé avec du papier cadeau et je me suis dit qu'on va le faire ensemble. Voilà, c'est ce que tout ce qu'il y a dedans. Alors, emballé avec beaucoup d'amour. Oh waouh! Est-ce que j'ai. C'est mon anniversaire ou qu'est-ce qui se passe là? Oh waouh, c'est super chouette. On va regarder une belle enveloppe avec. Oh, un marque-page avec un ours. Oh, chouette, j'adore. Oh, merci. Ah oui, ça, c'est clair que je vais le colorier. Merci beaucoup. Une petite carte, une petite enveloppe que je vais lire après, une petite lettre et un petit set pour accrocher, pour avoir un petit. Ah, je pense que c'est ce petit paysage avec le petit furet. Le hibou. Oh, super chouette. Merci beaucoup. Super chouette. Tout ce qui est forêt, animaux et tout, c'est bien sûr. Ça, c'est bien sûr pour moi. Alors, on commence par quoi? On va commencer par celui-ci. Est-ce que j'ai des ciseaux? On va détacher ceci. Le papier, bien sûr, je vais le garder. Je le collerai dans mon journal. Peut-être que je pourrais même en faire des pages pour le prochain journal que je me ferai. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des lamas et des cactus! Génial, bien sûr! J'en ai toujours besoin. Comme vous savez, je les mets toujours. Ce sont mes symboles pour mon Fibonacci. Les cactus, c'est quand je suis de mauvaise humeur. Les lamas, c'est quand je tresse les cheveux de mes enfants. Super génial! Merci beaucoup. Je vais pouvoir les utiliser. Très bien. On dirait que j'ai mon anniversaire là. J'ai pas mon anniversaire. Hein. mais de recevoir des cadeaux emballés comme ça, c'est super sympa. Alors, est-ce que. Bah, encore. Voilà. Que c'est le papier comme ça d'emballage, je pourrais bien en faire des pages pour mon journal, ça serait chouette. Oh non! Carnet avec un lama. Oh waouh! Oh trop beau! Oh mais il est super beau! Oh génial! Regardez les belles pages. Oh mais j'adore! Ok, alors est-ce que je vais faire ça comme mon prochain journal ou alors prochain Fibonacci ou alors, ou alors, ou alors. Oh, il faut que je réfléchisse. Oh, mais c'est génial. Oh, merci beaucoup. Oh, il est trop beau. Oh, sympa, trop. Merci beaucoup, Élise. Oh, c'est trop gentil. Je réfléchis à ce que je vais écrire dedans. En tout cas, j'adore ces pages-là, comme ça, de toutes les couleurs. Avec des petites fleurs dessus. Oh, il est vraiment magnifique. Merci. Trop chouette. Et encore deux paquets. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Oh non, un livre de coloriage. Oui, un petit carnet de coloriage. Oh, super génial. Cityscape. On dirait que c'est un peu le genre de comment ça s'appelle? De Johanna Basford. Mais je crois pas que c'est Johanna Basford. Mais c'est un peu le genre, on dirait. C'est sûrement les différentes villes du monde. Je connais pas du tout. Je l'ai pas du tout vu. Entendez-vous l'instant d'une pause?
Poloyage relaxante. Ah oui, bah oui, Paris, la France. Oui, c'est un peu un style, un peu Johanna Basford, en tout petit, mais c'est trop bien, c'est trop génial. Oh, j'adore, oh, j'adore. Là, on est en Hollande, Venise. Trop bien. Munich, Allemagne. États-Unis. Oh waouh, ça j'aboie, j'adore. Russie. Australie. Oh mais c'est vraiment du monde entier. Oh j'adore. Oh merci, Elise, c'est trop chouette. Ça c'est sûrement la Grèce. Dubaï sûrement. C'est Dubaï? On dirait Dubaï. Inde. Mexico. Est-ce que c'est Mexico? Le mur de Chine, Japon, ça je sais pas exactement. Moyen-Orient, quelque part au sud, peut-être Portugal. Ça, c'est sûrement au Danemark avec la petite sirène. Est-ce que c'est la petite sirène? Je pense que ça devrait représenter la petite sirène au Danemark. Ça, je ne sais pas exactement. Brésil. Ah, mais on reconnaît quand même bien les pays, hein. Cuba, peut-être. Ah, trop chouette. Illustré de Nina Tsai. Oh, génial comme tout. Oh, j'adore. Merci beaucoup, Elise. Et puis, on reconnaît quand même bien les pays. Il y a certains pays que je ne reconnais. Ça, c'est seulement l'Espagne, je pense. Il y a une ou deux pages que je ne sais pas. Ça, par exemple, je ne sais pas exactement de quel pays ça vient. Mais en faisant des recherches, je vais sûrement trouver. Oh, trop chouette. Merci beaucoup. Un petit livre de coloriage. Il faut absolument aussi que je commence les deux autres livres de coloriage que tu m'avais offert. J'avais une idée ce que je voulais faire avec, mais je ne me suis pas encore mise dessus. J'étais en train de réfléchir comment le faire. Vous savez, hein, je me prends parfois du temps parce que j'aimerais bien faire quelque chose de bien après avec ce que vous m'offrez. Donc parfois, ça dure un peu jusqu'à ce que je les utilise, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont oubliés. C'est que, voilà, il faut que l'idée mûrisse avant que ça se mette en place. Encore un livre de coloriage. Oh non! Un petit bloc Disney. Oh waouh! Oh waouh, génial! Vraiment, j'ai pratiquement rien de Disney. Et oh, c'est trop chouette. Oh, merci beaucoup, Elise. Ça fait tellement plaisir. Oh, j'adore. Dumbo, je pleurais à chaque fois que je regardais ce film quand j'étais petite. Hercule, Cruella. Oh, et j'adore ce petit format en fait. Et c'est presque mieux que quand les grands, ils sont un peu grands. Et puis, pour s'exercer et faire des belles choses. Ah, oh, ça va être trop génial. Ah, oh, super génial. C'est un peu Art Nouveau. Est-ce que c'est écrit Art Nouveau? Non. Mais c'est un peu style Art Nouveau avec les fleurs et les bordures là comme ça. Ah oh, ouais, les belles là. Oh, super chouette. Oh, j'ai hâte de commencer à colorier une image. Il faudra que je regarde quelle je vais prendre. Une qui me parle, vous savez. En fait, je remarque que quand je colorie, il faut vraiment que l'illustration me parle d'une certaine façon par rapport à voilà, par rapport à ce que voilà, ce qui me travaille, par rapport à ma vie, à ce que je vis, à ce que j'observe, à ce qui se passe chez, voilà, dans ma vie. Mais oh, c'est super génial. Oh, merci beaucoup, Elise. C'est trop, trop, trop généreux. Merci beaucoup. Regardez les motifs qui étaient dedans. C'est quoi ces motifs? Intéressant. Ginny. Pinocchio. Oh, c'est mignon ça. Geppetto et Figaro. Ouais, ce sont plutôt les histoires, les contes classiques en fait, hein. C'est beaucoup les princesses.
Ouais, les vieux films, en fait. Très... Ça, c'est bien aussi, ça, c'est beau. Oh, que c'est mignon! Ah, bah, ça, c'est plus. Ça, c'est Pixar, ça. Ça, c'est Nemo, ça. Ça, c'est beaucoup plus récent. Ah, bah, peut-être qu'ils viennent maintenant, les plus récents. Roi Lion. Ah, bah, justement, on va bientôt aller voir le musical du Roi Lion. Ce serait l'occasion de dessiner cette illustration, de colorier. Ça, c'est beau aussi. Ah, Mérida, ça me parle aussi. Ouais, Mérida m'a beaucoup accompagnée en été-automne. Cendrillon. Ouais, il y a quand même les plus récents. Hein. Je pensais qu'il n'y avait que des classiques, mais voilà, vers la fin, il y a les plus récents qui viennent. Oh, Excalibur. Le Merlin l'Enchanteur, ça me parle aussi. Oui. Oui. Aladdin, là, Merlin l'Enchanteur. En fait, c'est l'épée qui me parle. C'est l'épée et l'enclume. Oh, elle est belle. Elle a un autre visage, hein. Elle a... qui est l'illustrateur ou l'illustratrice? Il y avait quelque chose d'écrit. Aurélia Stéphanie Bertrand. Ok. Ouais, elle a un autre visage. Mais elle est très belle. Oh, super beau. Vraiment, je suis super contente. Merci beaucoup. Élise, tu es un cœur. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Ça me fait tellement plaisir. Il faut absolument que je recommence à tourner un peu plus de vidéos pour vous. Je sais que vous attendez et en ce moment, je ne tourne pas. Je suis désolée. Oh, mais là, vraiment. En fait, j'aimerais bien. Ces derniers temps, j'aimerais bien peut-être colorier un petit peu avec vous. Je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais j'aurais presque un petit peu envie. Donc, peut-être éventuellement, d'un de ces carnets ou même des autres carnets que tu m'avais offerts, Élise, ou d'un autre livre, je ne sais pas. Je vais voir, je vais réfléchir. Oh mais super génial, merci, merci, merci mille fois, Élise, c'est trop, trop, trop gentil. Ça me fait tellement plaisir, c'est vraiment, voilà, énorme cadeau, merci beaucoup. Cela me fait tellement plaisir, merci beaucoup. Voilà, je vais tout feuilleter tranquillement ce soir dans mon lit et regarder l'illustration ou voilà, que je vais vouloir commencer à colorier. Qu'est-ce que j'ai fait avec le beau carnet qui est vraiment magnifique avec ses pages colorées comme ça. Oh, il est vraiment magnifique. Ah, oh, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Voilà. Avec ça, j'espère que voilà, cela vous a un peu plu de regarder avec moi ce qu'il y avait dans les petits paquets. Le papier, je vais le garder. Il y en aura qui partira seulement dans le faux Bonici. Et je pense que les grandes, parce que comme j'ai bien retiré, je pense que je vais pouvoir même en faire des pages pour mon prochain journal. Mon journal du moment est comme ça. Voilà, j'ai pris celui-là que j'avais fait déjà depuis un bout de temps. J'ai fait une couverture. Très coloré parce que je voulais un peu plus de couleurs pour le printemps et quelque chose de plus gai que ce que je faisais ces derniers mois, toujours en bleu. Je me suis dit cette fois-ci on va un peu changer. Je suis allée dans les saumons orangés, voilà, saumon orangé jaune. Et voilà, j'ai déjà fait beaucoup de déco, j'ai pas encore beaucoup écrit, mais j'ai déjà fait beaucoup de déco. Voilà, maintenant il me suffit d'écrire. Voilà, beaucoup plus mince que le dernier, c'est le. Journal numéro 31. Voilà, donc merci beaucoup Élise, cela me fait énormément plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Voilà, et puis on se reverra très bientôt. Je vais essayer de m'y mettre à vous tourner beaucoup, beaucoup de vidéos. Merci beaucoup. Au revoir.